Madio, tu peux me tenir ça? Pose ta question. Ok, deux minutes. Il y a des manifestations. Est-ce que c'est interdit? S'il vous plaît. Alors? Pose. Attendez, pose après. Descendez le dictaphone et le micro. Attends. On peut y aller, c'est bon? Ouais, vas-y. On peut? Elle n'est pas limitée, votre stratégie. C'est-à-dire que vous faites des manifestations. Elles sont interdites. Elles sont empêchées. Et quoi après? C'est quoi le résultat espéré comme ça? Écoutez, le résultat espéré, c'est d'abord d'exprimer notre ras-le-bol. C'est pourquoi nos manifestations, nous manifestons et nous attirons l'attention de la communauté nationale et la communauté internationale sur ce qui se passe en Guinée. Et écoutez, nous allons programmer d'autres manifestations. Voyez-vous, madame, on était dans la rue. On nous a appelés. On va dire, trouver une solution, aplanir nos divergences. Nous avons fait des concessions énormes lors de ces négociations. Ils ont fait des concessions, ils nous ont concédé la récupération de certains sièges, de certaines communes. On a rédigé un accord politique signé par le ministre de l'Intérieur, le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée et par moi-même. Ils se sont retrouvés en dehors, ils ont décidé de ne pas appliquer l'accord. C'est de la foutaise. Ce qu'on a, on a pu mettre en évidence, la fraude massive et flagrante qu'il y a eu lors des élections locales, qui ont eu lieu le 4 février. Parce qu'ils n'ont pas pu frauder dans les bureaux de vote, ils ont décidé de changer les résultats à la centralisation. Tous les documents existent. Ils ont dit, bon, on vous rend ceci, on vous rend cela, on a écrit sur un papier signé. Ils refusent d'appliquer. Il ne faut pas qu'on continue à nous soumettre à la violation de la Constitution, à la violation des lois et au non-respect des accords. Alpha Condé a décidé d'envoyer une expédition de Conakry pour aller piller la famille, la maison de ma belle-mère. Systématiquement, ils n'ont pas laissé une aiguille. Aujourd'hui, avant-hier, la semaine dernière, on a tiré sur ma voiture. C'est Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes en train de revendiquer nos droits, on ne fléchira pas, on va continuer les manifestations, ça se passera peut-être comme ça. Mais on ne va pas renoncer parce que tant qu'ils n'appliqueraient pas, au moins les engagements qu'ils ont pris, M. Alpha Condé a pris plus de 4 fois l'engagement de diligenter des enquêtes sérieuses pour identifier les auteurs de crimes commis contre nos manifestants. Aujourd'hui, nous sommes à 97 ans. Mais justement, vous n'avez pas peur qu'il y ait une escalade de violence? Ce n'est pas une escalade parce que nous ne sommes pas voulus l'envoyer. Lorsqu'on nous a empêchés de passer, on n'a pas pu passer parce qu'il y a la force. Mais nous n'avons, c'est la police qui est violente. Parce qu'elle sait qu'elle jouit d'une impunité totale en cas de dérapage, en cas de meurtre et d'assassinat ciblé contre les militants de l'opposition. Personne ne va interpeller un policier parce qu'il a tué un militant de l'opposition. Ça, c'est grave dans un pays. 97 citoyens pour lesquels il n'y a jamais compassion du gouvernement. Il n'y a jamais eu enquête, et moins encore, même pas une sanction administrative vis-à-vis des responsables de ce crime. Ça, c'est inacceptable, madame. C'est inacceptable. On ne peut pas rester tranquille lorsque des crimes comme ça sont commis et lorsqu'une impunité totale est garantie aux criminels. Dans la question, vous avez été réinvité à la table des négociations, vous n'allez pas y retourner. Pour l'instant, on a suffisamment négocié. Il y a suffisamment d'accords issus des tables de négociation. Ils n'ont qu'à appliquer. S'ils appliquent, en ce moment, on verra. Mais pour l'instant, on n'a rien à négocier. On a tellement négocié, il y a seulement des décisions consensuellement prises, hein, actées dans des accords politiques, parfois visés par la communauté internationale comme caution. Mais jamais M. Alpha Condé n'a appliqué. Qu'est-ce qu'on fait ?
Voilà, votre dernière stratégie n'a pas marché aujourd'hui. Elle a marché. Vous êtes confiné à votre domicile. C'est une illustration éloquente de la mauvaise gouvernance, de la restriction de nos libertés, de la violation de la Constitution. Tout le monde a constaté, la preuve, vous êtes là. Si on était en train de respecter la loi, peut-être que vous ne seriez pas là. Mais vous avez vu comment on peut empêcher un citoyen de sortir de chez lui, de recevoir sa famille. Même ceux qui sont allés au marché n'ont pas pu revenir. Est-ce que ça, c'est normal? Pourquoi? C'est parce qu'on a peur de la marche, parce qu'on sait que si c'est le sort, si l'opposition sort, toute la population de Conakry va sortir et les rues seront inondées et ce sera un désaveu pour Alpha Condé. Il a dit non, confinons les Julis pour qu'ils ne sortent pas. Monsieur le Président, la suite, on va continuer à manifester, à faire des déclarations d'information dans les communes. Comment est la semaine prochaine, le programme vous sera décliné demain. Là, tout de suite, quelles consignes vous donnez à vos militants? De rester mobilisés, de faire ce qu'ils peuvent face à ces forces de l'ordre, aveugles, prêts à tirer sur n'importe qui, mais de résister autant qu'ils peuvent. Merci. 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 Merci.